Et qui on invite? Olivier Delamarche. Nicolas Dupont-Aignan. Et ouais. Pierre Jovanovic. Est-ce que la croissance se déplace et qu'elle n'est plus chez nous? On est des pays matures et il ne faut pas penser qu'on va continuer à plus 4, plus 5 tous les ans. Le Japon s'emmerde pas, il a 200% de dette. Ah oui, mais il s'emmerde pas, sauf qu'il va mourir. J'ai une solution qui est extrêmement simple. Nous déclarons que tout ce qui a été fait, tout ce qui nous a été prêté, entre guillemets, par les États-Unis est une dette illégale puisque c'est de la planche à billets pure et simple. Donc ça, je dis, je ne parle pas des États-Unis et du Japon, je dis déjà que le problème européen, c'est de faire sauter cet étau, ce verrou, ce carcan. Et on peut le faire. On peut remettre en place un système pays par pays. La France est suffisamment grande pour faire comme la Corée du Sud, comme d'autres pays, comme le Japon, comme le Brésil, comme... Il y a tous les exemples. Ça revient aussi à faire le faire. Non, il y a 10 pays dans l'Union européenne. Il y en a 10 qui n'ont pas l'euro. Le Danemark, l'Angleterre, la Suède, ils n'ont pas des barbelés à leurs frontières. Donc, je dis que... Ils ont des taxes douanières aussi. Non, ils sont en libre-échange. Donc, ça veut bien dire quoi? Ça veut dire que dans un système ouvert, où il n'y a pas de taxes douanières, enfin, où il y en a, mais très faible, la seule moyen... Parce qu'en Corée du Sud, il y en a, elles sont gigantesques. Mais je parle de l'Europe. Le seul moyen de... Vous ne pouvez pas avoir le libre-échange total... en concurrence avec des esclaves, et une monnaie surévaluée par rapport à toute celle du monde. Donc moi, vous me demandez un truc concret. Ça ne sera pas le nirvana, mais déjà on sortira de la récession. Mais vous, ce serait de retrouver... de référendum dans la journée de l'élection, sortir de l'euro, retrouver notre souveraineté monétaire, ne plus emprunter sur les marchés financiers, monétiser, et j'avais tout marqué dans mon programme présidentiel, 100 milliards par an, 100 milliards, et en 5 ans, les remboursements de dettes des intérêts de l'État passaient de 50 milliards à 35 milliards ou 30 milliards. Et on faisait 20 milliards d'économies d'intérêts de dette. C'est-à-dire qu'on rachetait notre propre dette de manière modérée. Mais 100 milliards. Je finis juste. Pour qu'on soit précis, vous me demandez d'être précis. Et on le faisait modérément, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas de la planche à billets excessivement, et on relançait la capacité d'investissement de notre pays face à des pays. Parce que c'est ça que vous ne comprenez pas. Vous dites la dette, c'est pas bien. Sauf que la dette... Quand elle permet à la Chine, aux États-Unis, d'investir massivement dans les nouvelles technologies, d'inventer les produits de demain, de gagner des parts de marché, de nous racheter, c'est de l'escroquerie. Il faut se défendre. Et quand on se défend, et ben parfois on utilise les mêmes moyens que les autres. Après, on pourra renégocier le système monétaire mondial, etc. Déjà, il faut que nous, on s'en sorte. Donc, priorité absolue, retrouver notre liberté. On peut le faire. La Tchécoslovaquie a été coupée en deux. Il y a eu deux monnaies qui se sont retrouvées. Ça a très bien marché. Il y a eu 69 ou 169 suppression de zones monétaires dans le monde depuis... Il y a eu un économiste américain, Jonathan, je ne sais plus son nom, Lepers, soit nom comme ça, qui a fait une étude sur les sorties de zones monétaires. Il n'y a pas eu de drame. Ça s'est fait rapidement. Oui, alors qu'on nous explique que si on sort de l'euro, ça va être un drame, etc. Ah, mais déjà, moi, ma question, c'est la fin du monde. On relancera notre économie. Vous êtes président, vous sortez le référendum, les Français votent, vous sortez la France de l'Europe. Oui. Comment on va s'entendre avec les autres pays européens? C'est ma première question. Deuxième question, c'est par rapport au bitcoins, même si on sait que, bon, pour l'instant, c'est rien. Il y avait une monnaie qui s'appelait Terra ou je ne sais pas quoi, une époque, on avait un économiste, je crois. Il y a plein de monnaies alternatives. Ça fleurit partout. La monnaie unique pour toute la planète. C'est-à-dire qu'il sera en fait l'opposé. C'est-à-dire plutôt que vous proposez de revenir à ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi voir qu'il y a une forme de dynamique qui est de dire bah voilà, la communication à travers les pays, on communique de plus en plus, on échange, on commerce de plus en plus. Et si, moi, j'y connais rien en économie. Si ça se trouve, une seule monnaie, ça foutrait tout par terre. Je ne sais rien. Si on avait tous la même monnaie sur la Terre. Si une seule monnaie marchait, elle existe. Tout est en train de diminuer. Attendez, elle existerait. On n'a pas, vous allez trouver que mon image est débile, mais elle est très simple. On n'a pas tous la même taille de chaussures. On peut communiquer en étant différent. On confond communication, échange et uniformisation. Ça, c'est un problème fondamental. C'est-à-dire que c'est les premiers qui parlent le temps à dire identité, différence, qui veulent qu'on soit tous pareils. On ne peut pas avoir la même monnaie de l'Allemagne, puisque c'est très simple. Nous gagnons de la population, nous avons une jeunesse à qui il faut donner du boulot. L'Allemagne est en suicide démographique.
D'accord. Eux, ils ont besoin d'une monnaie chère, nous, on a besoin d'une monnaie faible. Mais c'est la réalité. Moi, je veux créer de l'emploi pour nos jeunes dans nos quartiers. Et j'en ai rien à faire, je dis très franchement, s'il faut créer un peu de monnaie, eh bien, on créera un peu de monnaie. Mais si on ne le fait pas, Olivier, là vraiment. Olivier de la Marche, c'est à vous. Allez-y. Pas trop d'accord. oui, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement? Non, voilà, la proposition. Non, parce que j'aimerais savoir ce que vous proposez concrètement. C'est quoi une monnaie? Il a fait une proposition, moi j'en ai fait une. C'est quoi une monnaie? Qu'est-ce que vous proposez? Bah, de rebaser la monnaie sur quelque chose, mais quelque chose de réel. C'est quoi une monnaie? Une monnaie, au départ, on faisait du troc. On faisait du troc. Ensuite, on a introduit quelque chose au milieu qui facilitait les choses parce que, en plus, on se mondialisait, etc. Et donc, c'était pas très pratique d'aller faire du troc avec des Chinois. Donc, on a mis une monnaie au milieu, d'accord. Sauf que, à ce moment-là, si ça représente réellement des transactions, alors allons-y, mais créons de la monnaie en fonction de la croissance des transactions. Là, c'est logique. Et ça ne devrait pas dépasser ça. Or, le problème, c'est que vous avez un commerce mondial qui, aujourd'hui, est quasiment à zéro, d'accord, avec des problèmes un petit peu partout et des baisses de croissance dans beaucoup de pays. Donc, vous avez un commerce mondial qui ne croît pas et vous avez une augmentation des bases monétaires, parce que ce n'est même pas une augmentation de la masse monétaire. Ça voudrait dire que il y a une réelle augmentation des transactions. Or, c'est faux. Il y a simplement une augmentation de la base monétaire. La base monétaire, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans ces foutues banques centrales. Mmh. Bon. Et ça ne sert strictement à rien. Hein, moi, je l'explique souvent. C'est-à-dire, j'ai expliqué ça à ma fille de 11 ans. Si vous prenez un billet de 20 euros, que vous le passez de votre poche gauche à votre poche droite, vous n'êtes pas plus riche de 20 euros. Mmh. Vous avez juste déplacé la question. C'est tout. Mmh. Point. Eh bien, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est ce qu'on fait en créant de la fausse monnaie, qui reste dans ce système banque centrale, banque privée, en créant de la fausse monnaie qui, à un moment, va nous revenir dans la gueule. Ça, donc, c'est vrai, on sait très bien qu'à ce moment-là, la monnaie va s'effondrer. Oui. Alors, quand on est aujourd'hui arrivé, et dans tous les pays, je ne parle même pas simplement de la France, les États-Unis, la Chine, le Japon et l'Europe, dans des bulles qui sont vraiment des bulles sur les bilans des banques centrales, on sait très bien qu'à un moment, il va falloir régler la question. Et régler la question, ça veut dire quoi? Soit on fait ce que proposait à l'instant en disant on n'est pas obligé de régler la dette. Soit on fait un défaut de paiement. C'est l'Islande, mais à ce moment-là, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ça, hein. Vous rentrez, ça c'est une vraie déflation, vous rentrez complètement dans une dépression économique. Ouais. Soit vous, à un moment, c'est ce qu'on fait aujourd'hui d'ailleurs, on choisit la fuite en avant parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on imprime à tort et à travers, on augmente la dette, en fait, des personnes privées. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Ben, au bout d'un moment, il y a la confiance qui disparaît parce qu'on se dit, mais on vient de me filer un billet, mais qu'est-ce que ça vaut? Mais alors, attendez, au quotidien, j'aimerais savoir... Au quotidien, alors, ce que vous... Attendez, excusez-moi, j'aimerais savoir, parce que ça m'intéresse et je vous suis avec attention... qu'est-ce que vous proposez de concret, là, vous seriez aux affaires, qu'est-ce que vous proposez de concret pour la France et l'Europe? Parce que tout ce que vous dites est souvent très juste, mais... Ça ne dépend pas de la France et de l'Europe, ça dépend du monde. Jamais rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'un G20 se réunisse. Mais ça réellement, rien ne mais je G20. Sais que ça n'arrivera pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va avoir un système qui va péter. Et à ce moment-là, ils seront bien obligés de se pencher sur la question. Moi, je reviens au point de départ. Moi, j'entends depuis 20 ans, depuis que je suis étudiant, j'entends le système va péter. Oh non, et en attendant, je me souviens, sur la dette, le dollar, je me souviens quand j'étais à Sciences Po, les profs disaient oh là là, il y a tant d'endettement du dollar et tout. Ça n'a rien à voir, bon. Parce qu'il y a 20 ans, vous n'aviez pas ce niveau de dette mondiale. Ça n'existait pas. Sauf qu'en attendant, il y a quand même une économie réelle. Oui. Il y a une économie réelle. Et moi, ce que je regarde avec effroi, c'est que la France et l'Europe, à l'exception de l'Allemagne dans un certain domaine et encore, est en train de perdre la bataille technologique, scientifique, qui exige des financements considérables, d'attirer des ingénieurs, d'attirer du savoir-faire. Et ça,
on peut aussi, attendre les former, etc., d'avoir l'argent, etc. Et ça, on peut... Qu'il y ait des... ce souci, je le conçois. En attendant, dans cette marche vers, comme vous le dites, vers l'explosion finale du système monétaire qui viendra peut-être un jour, il reste que nous, continent européen, par une politique récessionniste, déflationniste, de division de l'Europe, on est en train d'alimenter le chaos et de remettre en cause d'ailleurs la construction européenne, la bonne, parce qu'il y a une mauvaise, mais il y a quand même une bonne, l'idée de s'entendre, de travailler ensemble, et on est en train de le remettre en cause. Et c'est l'Europe qui devient la zone de non-croissance, nos jeunes s'en vont, les talents s'en vont d'Europe, ça c'est tragique, et pas simplement des très riches, aujourd'hui on voit que les talents s'en vont et qu'on se tiers-mondise. Moi, je n'accepte pas. Mais c'est un je n'accepte pas. Et je dis qu'il y a des moyens. Il y a des moyens de sortir de ça. Ça avantage quelqu'un que bah bien sûr, ça avantage ceux qui tiennent aux États-Unis. Tout système qui fonctionne avec des planches à billets est condamné à l'explosion. Tout système qui fonctionne avec la planche à billets est condamné à l'explosion. Ça, c'est votre avis. On l'a vu, et cela appelle, on l'a vu notamment en URSS, on a fini avec Poutine. On l'a vu au moment de Weimar, ça s'est terminé avec Adolf Hitler. On l'a vu à après la Révolution française, ça s'est terminé avec Napoléon. Donc, je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, ce système va exploser, et là, il va exploser au niveau mondial. Et là, ça rejoint le livre que j'avais écrit, mais bon, j'ai une autre approche. Je dis simplement, il faut annuler la dette. Les États-Unis, les Anglais, les Japonais, je sais que ça ne plaira pas à Olivier Delamarche, nous ont prêté avec leur photocopieuse, parce que c'est une banque rang Xerox, hein, c'est Gestetner ou je ne sais pas quoi. Non, mais c'est vrai. C'est de la planche à billets. Hein. N'importe qui, vous donnez une planche à billets, vous rachetez la planète. C'est quand même pas compliqué. Ça ne peut pas fonctionner. mais quelle sera la valeur de... Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle ville de France, vous n'avez plus un hôtel indépendant, c'est tous du Best Western. Hein, les Américains ont tout racheté. Best Western était une chaîne d'hôtels, de motels, même pas d'hôtels, de motels, de nazes au bord de l'autoroute. Ils ont tout racheté. Attendez, ce qui est étonnant, c'est pendant que nous, on se dispute, ils sont en train de tout racheter. Monsieur Dupont-Aignan, d'ailleurs. Monsieur Dupont-Aignan veut qu'on sorte d'un système qui était imposé et calqué sur le système américain. Non. C'est-à-dire. Non. Bah, très parti, c'est qu'on essaie d'arriver avec une Europe, avec plusieurs États, politiquement, une Europe qui a une monnaie commune, etc. Mais sauf qu'il n'y a pas, entre guillemets, ce que les États-Unis ont comme avantage, c'est-à-dire la langue commune, une culture commune, bien qu'ils aient évidemment des différences, etc. Donc, c'est un constat d'échec qu'on est obligé de faire. Mais vous proposez de sortir un modèle qui était imposé par les Américains. Mais vous avez été, vous aussi, Monsieur Dupont-Aignan, en guillemets, approché par la américaine. Ce truc-là qui me sort tout le temps. Ouais. Oui, ça, j'ai bien eu la temps. La French American Foundation, là. Mais non, mais attendez. Ça fait bien, c'est un agent de la CIA. Est-ce que je suis un agent? Je sais. C'est pas une question de si c'est un agent. Attendez, je sais qu'il y a une théorie complotiste qui voit des espions partout. Je l'ai répété 20 fois quand je suis élu député en 97. Je suis contacté par un professeur d'université, Ezra Suleiman, de l'université de Princeton, qui dit « je fais un voyage d'études pour les futurs talents. Il y a M. Montebourg qui est invité, il y a un journaliste ceci et tout. Est-ce que vous voulez venir 3 jours à Princeton pour faire part de votre vision des choses ?» Oui, mais n'importe qui n'est pas invité. Mais attendez, parce que je venais d'être élu député et qui sont malins et qui prennent ce qu'ils estiment des talents. Moi, je ne savais pas que j'étais... Bon, voilà, j'étais 3 jours. Et on a eu des discussions très fortes, et j'ai d'ailleurs défendu ce que je défendais à l'époque, parce que j'avais bien avant soutenu Séguin. Mmh. Et puis je ne suis jamais retourné dans ce truc, il y avait des sessions 2 fois par an. Okay. Et depuis, j'ai certains complotistes qui voient l'agent de la CIA partout, qui disent « Oh là là, Dupont-Aignan, c'est donc un mec qui est faussement anti-américain sur ce point, parce que vous voyez, il a été 1 fois 3 jours ». Enfin, je veux dire, c'est du délire, mais je suis content de pouvoir répondre, parce que comme c'est sur Internet, bon, tout ça est délirant. Moi, je maintiens que dans la vie, il y a un moment, il faut être pragmatique. On refera le système monétaire international le jour où l'Europe ne sera plus le dindon de la farce. Et l'Europe ne sera plus le dindon de la farce le jour où elle utilisera les mêmes armes que les autres. En attendant, il ne faut pas perdre notre souveraineté, c'est-à-dire l'avenir. Et je vous rappelle l'histoire dans la jungle, qui est tout con, mais qui est marrante. C'est que il y a un Japonais, un Américain, un Chinois, un Français, bon, on peut mettre qui on veut, hein, toutes les nationalités, et ils sont perdus dans la jungle et ils voient un lion loin.
et il voit l'un une nationalité, parce qu'après on va dire que c'est du racisme ou de qui met des tennis, qui met ses baskets. Attention, correct. Qui met ses baskets. Et il y a les trois autres qui le regardent et qui disent « Pourquoi tu mets des baskets ? Parce que de toute façon, on va être mangé. » Ben, il dit « Non, la vraie question, c'est celui qui va courir le plus vite. Mmh. » Voilà, okay. Parce qu'il va vous manger, vous. Ben, c'est ça l'économie mondiale. Ah, oui. Et ce qui est terrible aujourd'hui, ce qui n'empêche pas de changer la jungle, d'éviter le lion et tout. Mais en attendant, moi, je vois mon pays qui est en train de sombrer. Mmh. Et peut-être plus que les autres. Et qui a une crise sociale derrière. Parce que c'est ça. Parce qu'il faut quand même ajouter qu'à cette économie faible, on a ajouté une forte immigration dans notre pays. Que cette forte immigration, on n'a que deux solutions. Soit on l'assimile, soit on ira des heures. Et quand il y a la pauvreté, comme vous jugez... Ça, oui, mais c'est mêlé. Il n'y a plus d'assimilation possible. C'est mêlé. Quand il y a la pauvreté de masse, quand il y a une forte migration, eh bien, le cocktail, il est très dangereux. Et le modèle français, c'était un modèle de croissance, avec parfois de l'inflation, et d'assimilation. C'est ça, comme ça qu'on a construit la France. Il y a toujours eu... Il y a eu des populations qui arrivaient, mais à la fin de la guerre, il y a eu une forte croissance, il y a eu une politique, une volonté politique. Aujourd'hui, on a l'immigration, et je ne juge pas, je ne fais pas du anti... il y a l'immigration qui est dans nos quartiers, moi je suis élu de banlieue, je sais ce qui se passe, et la moitié de cette jeunesse-là est au chômage. Je vous le dis solennellement... Donc c'est 50% taux de chômage. Taux de chômage dans les quartiers. Je vous dis solennellement... Qu'un pays qui laisse dans les quartiers 50% de taux de chômage. Positive, ouais, on va essayer. Mais il y a tous les moyens pour s'en sortir. Mais il y a tous les moyens pour s'en sortir. Si, c'est positif. Mais c'est positif ce que je vous dis. Oui. Cette jeunesse, c'est un atout. C'est l'espoir. Mais elle a tout à faire. Mais le problème, c'est qu'ils sont. Mais il faut simplement gouverner et lancer de la croissance dans notre pays. Donc c'est ça, courir le plus vite, c'est ça ? Eh bien oui, on met des baskets. Le notre positif, c'est ça. On met des baskets. Des baskets américaines, c'est important. Pas en étant américaine, française. Fabriquées en France, en français. Fabriquées en France. Fabriquées en France, voilà. Non, 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 fabriquées en France. Non, mais sérieusement, est-ce que cette jeunesse, on va lui dire toute la journée, on s'en sortira pas, vous êtes nul, vous devriez être allemand, ne plus faire d'enfants. Mais c'est ça qu'on lui dit. Donc moi, je suis pragmatique. Mais il y a de l'espoir, on a un pays fabuleux, on a le plus beau pays du monde, on a une capacité scientifique, on a une démographie vive. Pourquoi on s'en sortirait pas ? Enfin, c'est de la marche. On va pas s'en sortir de toute façon. Mais on est capable. On va s'en sortir quand il y a même un peu d'espoir. Pour aller vite à marche, on est ce sera pas génial. Alors, qu'est-ce qu'on mange juste avant de mourir ? Qu'est-ce qu'on mange ? On va se manger le mur, là. Qu'est-ce qu'on fait ? On va se manger le mur. Est-ce qu'on court très vite et qu'on se mange le mur, ceci dit ? On va se manger le mur. Malheureusement. On casse le mur. Parce que, on l'a dit au départ, parce que. Il y a une question de religion de l'euro et que malheureusement, je ne crois pas qu'on arrive à faire changer les choses et que je pense que c'est une course de vitesse qui est perdue d'avance, c'est-à-dire que l'euro éclatera et que il n'y aura pas que ça. Aujourd'hui, vous avez c'est vraiment la première fois que vous avez cette situation-là partout dans le monde en même temps. Mmh. La Chine a une bulle de crédit gigantesque et ils ont des soucis épouvantables. Il faut quand même voir qu'il n'y a pas que Shanghai et Pékin. Vous avez 500 millions de Chinois qui en sont au Moyen-Âge. Donc ça fait la moitié de la population. Donc il faut quand même y réfléchir. Vous avez les mêmes problèmes aux États-Unis parce que quoi qu'on en dise, il n'y a pas d'investissement aux États-Unis en ce moment, que vous avez un taux de chômage qui est juste ahurissant, que vous avez une croissance, mais qui est une croissance qui est totalement déguisée, qui repose sur pas grand-chose quand vous l'analysez et quand vous la décomposez. Et donc, vous avez un ex-leader mondial qui est mourant, et vous avez, de l'autre côté, vous avez le Japon, qui, je vous dis, s'est fait euthanaber depuis un bon bout de temps, qui s'est complètement euthanasié, avec une politique qui est folle de fuite en avant, avec 250% de dette, avec, etc. Avec un yen qui, alors je vous le dis, vaudra dans... X temps, mais pas très longtemps, vaudra zéro. 5 ans. Voilà. 6-5 ans. Et voilà. Merci. Moi, je rejoins totalement Olivier. C'est-à-dire qu'on va dans le mur, que ça va se terminer dans un bain de sang. Je suis très précis. Non, mais... Les notes positives. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir, pour dire... Il faut avoir un gars. C'est bisounours. On va se manger un mur. Ça va se terminer dans le sang. Et on va revenir. L'histoire des dettes, ça va être réglé une fois pour toutes.
Et de toute façon, je pense qu'à la suite, comme le disait Olivier Delamarche, ça concerne le monde entier, et que là, on va être obligé de revenir à un standard or et argent, comme ça a été le cas depuis 4000 ans, grosso modo, de pièces d'argent, etc. Voilà, tout simplement. Mais avant, ça se finira dans le sang. Très bien. Okay. On peut essayer de l'éviter. On peut essayer. Voilà. Voilà la note positive. Merci. Bravo. On merci peut essayer à tous. De l'éviter. On est d'accord. Merci okay, à tous. Super. Merci beaucoup. J'ai appris merci des trucs. Beaucoup de ouais, vous avez tenu. Vous avez prendre l'air. Trouver la péniche, c'est pas évident. Bon, heureusement qu'il y a un peu d'espoir avec vous. vous reprenez quelque chose à boire ?